Kate Middleton s'est illustrée dans une tenue florale mémorable le 13 mars 2023. La princesse de Galles était présente à l'abbaye de Westminster auprès de son mari, le prince William. Après la messe, l'épouse du prince William a dû rentrer à Windsor. Kate Middleton a filé à l'anglaise après la messe du Commonwealth Day. La princesse de Galles fait une entrée remarquée au bras du prince William le lundi 15 mars 2023. En effet, Kate Middleton, 41 ans, avait attiré l'attention des photographes et des journalistes ainsi que de ses propres fans avec son tailleur fleuri gris Fairdem. Les fans et les observateurs se souviendront que Kate Middleton avait failli voir son chapeau emporté par le vent. Mais surtout, les observateurs se sont interrogés à propos de l'absence de la princesse de Galles pour le reste de la journée. Kate Middleton, princesse de Galles, était auprès de sa belle-famille pour assister à la messe du Commonwealth Day au Westminster Abbey. Ce 13 mars 2023, la suite du programme se passait à Buckingham Palace, précise Pure People. Cependant, la maman de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans, et Louis, 4 ans, a brillé par son absence lors de la réception présidée par le roi Charles III d'Angleterre, 74 ans, au palais de Buckingham. Cette cérémonie importante a rassemblé la belle famille de Kate Middleton, Charles III, la reine Camilla Parker Bowles ainsi que leurs invités venus du Commonwealth tout entier, précise Pure People dans son article. Kate Middleton, la princesse de Galles s'absentait et rentre à Windsor. Kate Middleton n'a pas assisté à la suite de la journée pour ses enfants, précise le magazine en citant le magazine britannique Hello. Effectivement, la duchesse de Cambridge s'est éclipsée pour récupérer ses 3 enfants à l'école. Après la cérémonie en l'abbaye de Westminster, l'épouse du prince William, 41 ans, est donc rentrée à Windsor. George, Charlotte et Louis fréquentent la même école de Lambrook School depuis la rentrée. Voilà donc la raison de l'absence soudaine de la belle-fille du roi Charles III d'Angleterre à la suite de la journée du lundi 13 mars 2023.